Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances des mois d'octobre et novembre 2019. Alors, comme vous avez pu vous en apercevoir, les guidances du mois de septembre étaient loin d'être beaucoup plus courtes comme je l'aurais aimé. Donc, je les ai quand même toutes faites malgré tout, même si bon, ça m'a fait prendre du retard dans d'autres choses, mais c'est pas grave, hein. on commence, on termine. Et puis il bah, y a d'autres choses aussi qui me sont venues, comme euh, voilà, vous proposer un petit peu euh, la triade comme ça à la volée avant, de vous montrer le tirage. Bon, là, je ne sais pas encore si je vais vous montrer le tirage ou si je vous le mets en mode accéléré. Je risque de ne pas le mettre tout simplement pour que la vidéo soit plus courte. Euh, parce que là, du coup, ça m'a pris vraiment trop de temps. Après, ça me laisse trop peu de temps pour me... les autres projets que j'ai à faire, hein, pour, euh, pour les formations, mes rendez-vous, machin, etc. Donc, euh, ben, on, va reprendre, on va reprendre par deux mois. Hein <laughs> Et puis, bon, ça donne aussi une vue sur, euh, sur ce qui reste à venir, même si euh, ben, je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent malgré tout changer hein, derrière, comme vous avez pu déjà le remarquer. Donc après, de toute façon, je, je vais essayer d'être assez régulière, si possible, sur les maisons, en tout cas sur sur les moments d'énergie qui sont assez forts hein, à chaque fois, et puis euh, donner des messages quand même comme ça par signe euh, au passage, euh, voilà, si possible. Donc je ne vais pas vous embêter beaucoup plus, hein, si ce n'est que je vous rappelle que ces guidances sont générales. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle, ce qui vous vibre. Vous, vous pouvez aussi aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires. Si vous ne les connaissez pas, je mets toujours un lien en dessous de mes vidéos pour que vous puissiez les trouver. Euh, vous pouvez aller voir aussi ceux des personnes qui vous sont proches. Hein, ça peut vous permettre aussi de comprendre un petit peu leur état d'esprit ou comment aussi aborder certaines choses avec elle, tout simplement. Et puis, juste pour la petite parenthèse, euh, je, je sais que des fois je le dis dans certaines guidances, mais là comme ça tout le monde aura le même message. J'ai laissé une playlist ouverte où je mets régulièrement euh, des fréquences, des méditations guidées ou non, euh, dès que j'en trouve euh, des sympas, j'en ajoute. Donc franchement, allez dedans, allez piocher dedans si vous en avez besoin. Il euh, y en a euh, j'ai envie de dire un petit peu pour différentes choses, hein, tout simplement selon vos besoins. Si ça peut vous aider et vous faire du bien, allez-y. Voilà, bon, bah écoutez, hein, on arrête là. Et puis, euh, bah je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Namasté. Allez les Capricornes, c'est parti pour votre guidance pour ces mois d'octobre et de novembre 2019. Alors comme dit en intro, finalement j'ai choisi de ne pas vous montrer le tirage histoire de gagner un petit peu de temps sur la vidéo. On retrouvera ici en première ligne le tarot mythique. Alors, là on aura première quinzaine d'octobre, deuxième quinzaine, première quinzaine de novembre et dernière quinzaine. On aura des cartes supplémentaires par quinzaine avec l'oracle de l'énergie et puis on aura une carte de synthèse, on va dire, par mois avec l'oracle du Tao. Je vous rajouterai également une carte des archanges pour avoir des conseils supplémentaires ainsi qu'une autre carte avec les anges de l'amour de Dorine Virtu. On terminera bien sûr par un petit point lito et puis avec les fleurs de bac pour ceux qui veulent être aidés émotionnellement, tout simplement pour avoir des messages supplémentaires. Bon bah on va commencer tout de suite hop, avec votre première quinzaine. Ah bah pas mal ça, le fou et abondance en éclosion dans le bon sens. Alors le fou, une arcane majeure, mais surtout hein, la première arcane, celle qui ouvre le cycle. Hein, souvent, c'est... Euh, bon alors dans le tarot de Marseille, ça peut être la lame 22, on peut considérer qu'elle clôt un cycle, mais bon, ici, dans ce jeu-là, elle a plutôt la valeur de zéro, hein, vraiment de point de départ. Alors, il n'y a pas de signe associé, maintenant vous pouvez vous retrouver, on va dire, dans des énergies ici peut-être un peu plus euh, masculines, à voir si hein, c'est vous ou un homme. Euh, tout simplement les énergies du moment. Maintenant, moi, ce que j'aime bien avec cette carte, c'est que, non content de démarrer un nouveau cycle, elle apporte vraiment des belles énergies. Vous voyez, là, lui, il est tout souriant. Hein. Ça ramène à l'enfant intérieur, à la joie avec laquelle on est tous, avec de l'enthousiasme, avec cette envie de partir aussi à la découverte du monde à découvrir, à commencer aussi quelque chose de nouveau, et ça sous la protection ici du grand esprit qui est représenté par uh, cet aigle. voyez là, on est sorti, ou en tout cas on sort hein, un petit peu de sa grotte, de ce qui est connu, peut-être aussi euh, de pensées, on va dire, un peu plus sombres, un peu plus négatives, hein, ou un moment d'introspection peut-être aussi tout simplement qui était nécessaire pour partir à l'aventure. Alors peut-être que pour certains, c'est le départ euh, de quelque chose vers autre chose. Hein, ça peut être par rapport à une relation, par rapport à un travail, par rapport aussi euh, à des anciennes croyances ou un ancien mode, peut-être aussi tout simplement de, de fonctionnement. Là, on vous invite clairement à sortir de votre zone de confort, à lâcher prise. Hein, vous voyez, lui il dit vaguement, hein, il a un pied dans le vide, il devrait euh, juste être complètement affolé. Et pas du tout, il y va vraiment joyeusement. Il a la foi. Hein. C'est quelque chose. Enfin, c'est une notion ici qu'on vous amène aussi avec cette carte, de faire confiance à la vie, de faire confiance à l'univers, de vous faire aussi confiance en vous disant aussi peut-être qu'il serait bon pour certains d'oser enfin prendre certains risques Alors, de manière mesurée. Hein, J'entends. C'est vrai que le fou, lui, bon, voilà, il part à la découverte. Il maîtrise rien. Hein. Il a tout le chemin encore à faire. Donc, à ne pas être non plus dans trop, on va dire, de, de naïveté ou d'inconscience. Hein. Le but, je pense ici, surtout, c'est davantage de s'ouvrir, hein, de sortir un petit peu dehors et surtout de se mettre aussi quelque part en mouvement. Et puis, vous voyez, en dessous, on vous avez quand même une jolie carte et en plus, et dans le bon sens, vous avez l'abondance en éclosion. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a des pièces qui sont en train de de pousser comme ça dans un jardin. Alors c'est marrant parce que cette carte fait référence au printemps, mais celle-là aussi. Alors on peut penser aussi que, voilà, hein, même si euh, vous prenez certains risques quelque part, ça va être récompensé. En tout cas, on peut penser là que les graines que vous avez semées, le travail que vous avez pu déjà effectuer sur vous par rapport à des projets ou autres, est en train de commencer à payer. Et c'est peut-être ça aussi quelque part qui vous rend peut-être aussi un petit peu plus libre euh, de vous permettre de revenir aussi quelque part euh, à votre véritable nature. Ça peut être bien aussi d'aller dehors, de profiter des énergies de la nature. Ici, si on parle de richesse, de valeur accrue. Quand je vous parlais de confiance, hein, l'abondance bien sûr, euh, ce n'est pas que financier hein, ça peut être donc la santé ça peut être des nouvelles possibilités aussi qui sont là. Euh, et qui euh, vont venir à vous ou desquels vous allez enfin prendre conscience aussi. Mais j'ai presque envie de dire que ça sera un petit peu le, le cadeau si vous faites ça, entre guillemets. Enfin, J'aime pas mettre des conditions, mais euh, c'est vrai que généralement, il faut être honnête, euh, quand on prend des décisions qui ne sont peut-être pas parfois toujours très faciles à prendre, mais qui sont bonnes pour nous, généralement on est quand même récompensé par l'univers. Alors, ne pas dire que vous allez gagner au loto, hein, forcément, pour autant. Vous voyez, c'est en éclosion, hein, ça reste modeste hein, pour l'instant, mais voilà, ça peut mettre du beurre dans les épinards, ça peut mettre un peu de baume au cœur, ça peut faire du bien, tout simplement. Et bien sûr, c'est encore en éclosion, donc ça a aussi, comme le fou, besoin de maturation, ça a besoin de continuer à pousser, ça peut être aussi un encouragement, justement, dans vos efforts. Pour vous inciter également à en planter nouvelles, hein, ne pas hésiter comme ça à en semer, à continuer si vous voulez dans ce mouvement, pour votre bien, pour votre prospérité, pour votre abondance à quelque niveau que ce soit. Donc n'hésitez pas à exprimer votre gratitude, plus vous le faites, plus vous aurez de raisons d'en faire. Donc ici je trouve que ça commence quand même plutôt sympathiquement. Alors on va voir maintenant, paf! Excusez-moi. Votre deuxième quinzaine alors, on a le 2 de coupe et on a la carte du voyage mais à l'envers. Alors, le 2 de coupe, bon bah c'est bien après du 0 on passe au 2, hein. Là, on est davantage donc dans des signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, on est davantage sur le plan relationnel, émotionnel et on voit ici donc deux personnages. On voit Eros ici et Psyché euh, et c'est leur première rencontre. Hein. Là, vous voyez, Psyché, bon, il bah, y a Aphrodite qui a, qui a essayé, enfin, euh, qui essaie en tout cas de s'en débarrasser, qui l'accrochait là. Il y a un monstre ici qui doit venir la manger. Et Eros à la base, avec cette flèche, normalement, euh, il est censé la tuer. Sauf qu'en fait, il va se piquer lui-même parce qu'il en tombe en fait amoureux. Donc, à voir hein, où vous vous retrouvez dans le masculin et le féminin. Alors forcément ici, hein, on peut penser à une nouvelle rencontre. On parle ici du principe d'attraction justement entre le masculin et le féminin. Donc il peut y avoir aussi, on euh, va dire, une fusion, hein, un petit peu plus que des regards si vous préférez. Donc on peut parler ici du commencement d'une relation bien sûr, mais également aussi peut-être d'une réconciliation pour certains, notamment euh, s'il y a eu séparation ou des difficultés. Après aussi, ça peut s'étendre bien sûr au plan professionnel. Hein, une association, une fusion entre deux entreprises, une rencontre avec un nouveau partenaire, des signatures de contrat. Donc ça peut quand même être pas mal. Maintenant, euh, vous voyez quelque part, bon elle, elle était à la base un peu résignée, elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un, on va dire, débarque. Et pourtant, ça arrive bien. Maintenant, euh, on peut se dire aussi que quelque part, c'est un petit peu comme s'il venait la sauver des eaux, hein, pour la peine, là, c'est bien illustré. Alors, tant mieux, je vous le souhaite. Maintenant, on est aussi bien d'accord que euh, c'est quand même, entre guillemets, mieux de se libérer soi-même, de ne pas être obligé d'attendre près l'extérieur pour y arriver. Maintenant, s'il y a des moments où vous avez besoin d'un coup de pouce, euh, ça serait bête aussi de rester et de se dire euh, non non j'y arriverai tout seul et puis si on me propose de l'aide euh, rien à faire quoi on parlait ici d'abondance en éclosion de d'encouragement quelque part Bah ici ce sera peut-être aussi euh, quelque chose qui sera là pour vous donner un coup de pouce alors après quand je vois qu'il y a la carte du voyage à l'envers en dessous on peut se dire que cette rencontre se fera peut-être lors d'un déplacement donc je ne veux pas dire que ça ne sera pas forcément l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Maintenant, ça peut être quelque chose, on va dire, alors pas de ponctuel, mais qui va durer entre guillemets, le, voilà peut-être juste le temps de ce voyage, mais euh, qui vous apportera certaines clés justement pour que vous puissiez peut-être continuer aussi votre chemin ou vous faire du bien tout simplement. Il hein, n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de jugement non plus à avoir. Ça peut être une personne qui tombe bien, si vous préférez. Et bon, comme on a la carte du voyage à l'envers, il y a peut-être effectivement un voyage, un déménagement qui est prévu. Maintenant, je vous rassure, le fait qu'elle soit à l'envers ne veut pas dire forcément que ça va être annulé. Maintenant, euh, il va peut-être y avoir quelques retards, quelques difficultés. Euh, peut-être que certains devront changer de destination, d'autres de manière de faire, de compagnie. Euh, par laquelle passer, de personnes voilà, qui devaient leur donner un coup de main, etc. Vous verrez bien un petit peu comment ça se présente. Ne vous fixez pas hein, sur tous ces petits problèmes. Enfin, je veux dire, ne restez pas bloqués sur les perturbations, les choses qui ne sont peut-être pas comme vous le vouliez ou comme vous l'attendiez. Hein. Essayez de rester malgré souple. Peut-être qu'il y a moyen d'arranger les choses ou de décaler certaines choses aussi ne Doit pas vous empêcher si vous voulez quelque part euh, de partir si vous en avez besoin ou envie. Je vais vous donner d'ailleurs l'affirmation ici avec la carte voyage et puis je viens de penser, je vous donnerai aussi celle de l'abondance en éclosion. Hein. Je vous les donnerai de façon pour toutes, euh, pour ceux qui auront envie de travailler des affirmations. Donc pour le voyage, j'attire vers moi de merveilleuses nouvelles aventures. Ma vie est une bénédiction qui me transporte vers de nouveaux endroits intérieurs et extérieurs. De toute façon, c'est encouragé hein, ici déjà avec le fou. Donc, même si, voilà, il y a des petits couacs, des choses comme ça, j'ai envie de vous dire, allez-y quand même. Et d'ailleurs, vous voyez, je viens seulement de réaliser, là, c'est 2-2. Deux, deux, hein, donc, on est bien ici dans la synchro. Et avec cette carte-ci, la richesse abonde autour de moi, je vois de la valeur dans mon quotidien. Et puis avant de voir la carte du Tao, je vais vous donner aussi ici l'association entre ces deux lames. Alors comme d'habitude, tous les messages ne sont pas pour tout le monde, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre, vous laissez le reste. Puis vous remettez ça chacun selon vos cas. Pour certains, notamment les célibataires, possibilité de vivre une liaison sentimentale imprévue et fugace, surtout lors d'un voyage à l'étranger. Bon bah voilà, on y est. Pour un couple, à part peut-être des fiançailles plus rapides que prévues à la demande du partenaire, il y a peut-être des problèmes qui pourraient risquer de surgir de manière inattendue. Alors ça peut être suite à des broutilles hein, qui pourraient évoluer, on va dire en Grosse tension, voire en opposition, donc à y veiller. C'est-à-dire qu'ils pourraient réclamer, par exemple, plus d'indépendance, refuser certaines responsabilités ou contraintes, voire même peut-être aussi pour certains remettre en question leur union. Donc, ce sera un moment où je vous conseille de ne pas être trop possessif ou exigeant, hein, si vous désirez entre guillemets sauver votre couple. Euh, après, peut-être voir euh, pour certains à songer à une union libre. Voilà. On va voir maintenant quelqu'un vous avez vécu le Tao. Alors, la difficulté initiale. Décidément, trois on l'a aussi. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Alors, pour la peine, je trouve qu'elle va bien, entre guillemets, aussi avec le fou. Vous hein, voyez, puisque ben, le zéro, c'est l'œuf. Hein, il est en train d'en sortir, justement. Il manque encore, on va dire, d'expérience sur certaines choses. Et ce qu'on vient vous dire ici, c'est que euh, si actuellement il y a des choses qui peuvent ressembler à un petit peu de chaos et de confusion, hein, parce que si deux, c'est l'union, ça peut être aussi la dualité. C'est pour ça que je vous disais de, de faire attention. Ben en fait, ça c'est hein, c'est pas pour rien entre guillemets qu'on vous l'amène, qu'on vous le propose. C'est justement pour permettre à quelque chose de nouveau de pouvoir s'exprimer. On vient vous dire ici que vous êtes prêt et que le temps était venu vraiment de vous détacher. Hein. Alors quand on dit de vous détacher, je pense que c'est davantage, on va dire, par rapport au passé, à ce qui a pu vous blesser, etc. En fait, si vous voulez, c'est un peu comme pour vous dire que tout ça, hein, même si il voilà, y a peut-être des, des douleurs, des doutes, des peurs, etc., ben c'est vraiment pour vous permettre de renaître, pour vous rendre encore plus fort et augmenter également votre capacité à supporter les transitions difficiles. Donc, vous êtes invité pour certains à accepter aussi votre vulnérabilité, de sortir à nouveau de votre zone de confort, de ce qui pouvait vous sécuriser, et ça même si on va dire que votre direction n'est pas encore clairement définie, et que vous ne savez pas non plus ce qui vous attend. Parce que tout ça, ça fait partie d'un processus de démantèlement, si vous voulez, de vos anciens schémas. Pour laisser place à quelque chose de neuf, donc ce sera peut-être pas forcément hyper simple hein, entre guillemets ou euh, évident, facile, euh, mais c'est une étape qui n'en reste pas moins importante pour vous et pour votre évolution. Donc on vient vous dire de pas vous apitoyer sur vous-même ou de pleurer sur ce qui a été perdu, mais au contraire de vous préparer à faire face à des nouveaux défis, à des nouvelles possibilités qui vont bientôt apparaître dans votre vie. Donc, même si, euh, quand vous avancez, il n'y a rien qui vous semble familier, il y a moins de repères, il y a moins de choses peut-être sécurisantes, continuez malgré tout à avancer et restez à l'écoute de vos réels besoins du moment. On vous fait revenir ici aussi à l'instant présent à arrêter d'être toujours dans la peur, entre guillemets, du futur. On vient vous demander ici aussi de savoir faire preuve de patience, de persévérance de douceur aussi envers vous-même. Hein, là, a priori, ça sera important vraiment de le faire. Donc, ayez bien l'esprit aventurier, hein, tout en prenant soin aussi de ne pas vous mettre en danger ni les autres. Mais voilà, vous êtes vraiment à, à l'aube de quelque chose de nouveau parce que vous êtes prêt maintenant, enfin, à y aller. On va passer maintenant à votre première quinzaine de novembre. Et là, nous avons... Ah, tiens, le diable, ça c'est votre signe. Et troisième chakra, Archange Samuel, est dans le bon sens. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, hein, le diable, là, ça peut être clairement vous. Et on a donc ici le Dieu Pan, qui, lui, vous voyez, a l'air d'être, entre guillemets, tourné bien dans sa grotte. Hein. C'est sûr que lui, il est plutôt euh, associé, on va dire, euh, au plaisir de la chair, euh, à la sensualité, à la sexualité. On dit, de lui, que c'est l'esprit sauvage et fertile aussi de la nature. Bon, il y a plusieurs aspects, on va dire, il y a du bon, il y a du moins bon. Peut-être qu'ici, certains, par exemple, seront, on va dire, tentés de retourner dans, on va dire, dans, dans des mauvais côtés, dans des travers, dans des bas instincts, dans des choses qui les attachent. Hein. Ici, on vient vraiment parler de ça. Bon, dans des relations sentimentales, Peut parler justement de, de dépendance euh, affective hein, de relations, on va dire passionnée ça peut être une personne qui est très magnétique mais euh, voilà avec qui euh, ça se passe plus en euh, un jour c'est merveilleux le lendemain c'est clash enfin c'est pas forcément on va dire des relations euh, très douces et très faciles hein, on peut même parler d'emprise dans certains cas bon après ça peut être aussi très léger hein, ça peut être aussi juste s'amuser vous pourrait venir appuyer hein, là pour ceux avec qui je disais que ce sera peut-être pas l'homme de votre vie hein, voilà après vous avez le droit de vous faire plaisir le diable en plus amène cette notion que quelque part il n'y a rien de honteux hein, dans ce que vous pouvez aimer vos pratiques etc qu'il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus on est tous différents on vous invite au contraire à être davantage libéré hein, qu'emprisonné donc il y en a peut-être certains qui sont invités à voilà à débloquer un petit peu à faire sauter on va dire certaines de leurs inhibitions à jouir aussi davantage de la vie à vous faire plaisir hein, tout simplement maintenant bon ça peut toujours avoir ce côté excessif aussi hein, le diable donc à faire attention hein, que ça reste un amusement et puis pas de l'excès pour de l'excès, justement, à recommencer à retomber dans ses addictions et autres. En tout cas, ici, il y a beaucoup de, de force aussi et de, de vitalité, quelque part, j'ai envie de dire. Le, le diable, ça peut être bon aussi enfin, pour les affaires, c'est-à-dire que ça peut être enrichissant, on va dire, hein, d'un point de vue pécunier. Bon, maintenant, ça peut être aussi, entre guillemets, des affaires louches, hein à se méfier aussi, à faire attention avec qui vous avez envie de vous lier. On peut se dire aussi d'ailleurs quelque part que c'est presque ici comme si euh, on, on découvrait alors la face cachée euh, peut-être de la personne, mais où on se rendait compte justement qu'on était peut-être en train de refaire la même erreur. Hein, à euh, retomber quelque part un petit peu dans ses dans travers, mais ce qu'il faut comprendre aussi c'est que quand on a envie. Euh, de s'améliorer et d'évoluer, c'est pas en restant fixé que sur nos qualités ou que ce qui va bien dans notre vie que on va y arriver. Dans le sens où il faut être honnête. On parlait ici de, du principe du yin et du yang. Ben c'est ça. Il faut intégrer aussi l'ombre à la lumière, accepter qu'on n'est pas parfait, comme on vous demandait ici d'accepter votre vulnérabilité. Maintenant, euh, comme ici ça manquait un petit peu de maîtrise, on peut vous proposer entre guillemets ça pour justement, bah, d'une que vous en preniez conscience et que vous évitez, entre guillemets, de tomber dans le piège, hein, de rester dans le côté, on va dire, sympa du diable plutôt que l'inverse, de prendre conscience aussi peut-être de certaines de vos zones d'ombre pour encore mieux les accepter. Donc après, à vous de voir ce que vous en faites. Hein. On va voir ici ce que ça donne en association avec le 2 de coupe. Alors pour certains, si vous êtes célibataire, on vient parler de succès affectif. En revanche, plutôt d'un mauvais aspect si vous êtes en couple. Désolé. Alors, il peut y en avoir certains qui vont avoir à nouveau donc ce que je vous disais des pulsions débridées, des retours d'obsession, de bas instincts, d'anciens vices, de sensations peut-être aussi d'ordre on va dire plus physique. Il peut y avoir aussi des on va dire des personnes dans de votre entourage hein, si vous êtes en couple qui ont pas on va dire plutôt les meilleures intentions euh, par rapport à votre couple. Hein. Faites attention peut-être aussi à ça, pourrait venir par exemple de jalousie, hein, peut-être pour certains. Bon, malgré tout pour les couples, ça peut être bon de faire du sport ensemble. Voilà. Bon, maintenant de façon avec euh, ici euh, l'archange Samuel qui vient nous parler du plexus solaire, hein, quand je vous parlais tout à l'heure de force, euh, ici peut-être de plus d'énergie, hein, c'est exactement ce qu'il nous dit aussi. Bon, du coup, comme en plus elle est à l'endroit, on pourrait vraiment, on va dire, prendre quand même malgré tout le côté, on va dire, positif du diable, hein, euh, la légèreté, l'amusement, etc. Parce que ici, on vient vous parler quand même de plus d'enthousiasme, ou en tout cas, euh, si c'est pas à ce moment-là, à venir par la suite. Donc, je le souhaite sincèrement. Peut-être que certains justement se rendront d'autant plus compte à quel point ils sont devenus plus forts. Hein, C'est-à-dire qu'ils maîtrisent mieux quelque part aussi, euh, on va dire, cet aspect-là en eux. En tout cas, on vous invite à utiliser vraiment toute cette énergie pour la concentrer, la canaliser et la diriger vers ce que vous voulez vraiment. Alors l'affirmation maintenant avec cette carte est ⁇ Mon troisième chakra est parfaitement et sainement ouvert. L'énergie de ma force vitale irradie de manière éclatante. ⁇ je ressens de l'excitation pour tout ce que j'accomplis. On va passer maintenant à votre dernière quinzaine. Et vous avez alors le 5 d'épée, la carte du contrat mais à l'envers et l'indécision. Alors, les épées, là on est davantage sur des signes d'air, balance gémeaux-verso, et on est davantage on va dire sur le plan de l'esprit, du mental. Alors, carte, vous voyez, elle est vraiment euh, entre guillemets, en noir et blanc. Ce n'est pas aussi lumineux, on va dire, quand même, que sur les deux premières cartes derrière. On retrouve ici Apollon, qui représente le soleil. Et on a Orestre ici, qui est assis par terre. Hein, et là, le soleil est en train de lui montrer cinq épées. Hein, un petit peu euh, comme s'il si lui présentait les différents choix, les différentes possibilités qu'il avait aussi à faire. Mais on vient ici surtout parler ici de contraintes et de limites, d'accepter quelque part un petit peu les règles. Moi, cette carte je la vois souvent comme un rappel à l'ordre, hein. comme une mère à son enfant par exemple, qui lui rappelle, comme j'ai déjà évoqué, les règles de la maison. Hein. Ok, tu peux faire ça, mais tu as tel et tel devoir quelque part hein, envers moi ou envers nous. Alors ça peut aussi bien être entre partenaires, des personnes de votre entourage, dans votre milieu également professionnel, d'un air de dire bon ok, tu as pris confiance, tu t'es bien amusé. Euh, maintenant, comme je vous l'ai dit juste avant, on n'allait pas non plus dans l'excès. Hein. Vous n'êtes pas entre guillemets pour certains tout seul. C'est bien de penser à vous, c'est bien de vous faire plaisir, mais bon, voilà. Il euh, y a peut-être, euh, alors je ne vais pas dire des compromis, mais peut-être tout simplement que c'est vous aussi qui allez euh, fixer euh, des nouvelles limites, euh, des nouvelles règles hein, dans votre jeu pour vous respecter davantage. En tout cas, au reste, ici, on vient lui demander d'accepter tout ça sans se plaindre ou fuir. Parce que euh, même s'il y a peut-être des choses qui sont à appréhender et qui sont pas simples, euh, ce n'est pas le moment, entre guillemets, de vous déchirer. Si vous voulez avancer, on vous le répète depuis le départ, c'est le moment n'est pas en étant dans le déni ou en faisant comme si certaines choses n'existaient pas qu'on avance, mais en les affrontant. Donc, on vient vous demander ici de prendre conscience de la réalité, en vous rappelant pour certains de pas non plus vous créer des ambitions hors de portée, sinon vous serez contraint certainement de faire machine arrière ou de ravaler peut-être aussi votre fierté. Si vous voulez, on vient vous demander ici de faire attention piège de l'ego. Donc on vous invite ici à être honnête avec vous-même et également avec les autres, à voir après où vous vous situez, hein, puisque là on est dans des signes d'air, ça peut être vous hein, ici qui rappelez les règles, ou ça peut être l'inverse, vous verrez bien. On va voir en association ce que ça donne avec le fou. On parle pour certains d'une progression rapide, alors certes sur un plan peut-être intellectuel, social ou spirituel, mais il s'agira apparemment de mieux contrôler son comportement, peut-être un peu trop fougueux, audacieux, original, nerveux ou impatient. Donc, soyez plus pondéré, réfléchi, logique, organisé et pratique pour structurer et stabiliser vos entreprises sous peine de les voir s'écrouler à cause d'une gestion fantaisiste, incohérente ou imprudente. Il se peut également que pour certains, il y ait des revirements inattendus, que certains événements pourraient peut-être tourner à leur désavantage. On rappelle aussi à d'autres de ne pas être trop excessifs dans leur quête d'indépendance ou de rejet de toute contrainte, histoire de ne pas non plus blesser autrui par vos actes, vos paroles ou provoquer aussi des conflits inutiles. Et enfin, on vient rappeler à certains de faire preuve de prudence dans vos déplacements, notamment à l'étranger, ainsi qu'à votre santé. Et maintenant avec le diable. Et avec le diable, on vient rappuyer ici sur une, une idée de de faire bien attention à sa gestion, hein, pas se montrer trop orgueilleux, incohérent dans vos énergies, qu'elles soient physiques ou psychiques ou financières d'ailleurs, qui ont beau être puissantes à la base, peuvent s'affirmer, on va dire, un poil tyrannique peut-être aussi hein, envers votre entourage, qui lui risquera de se révolter. Et du coup, vous fera peut-être justement redescendre, on va dire, un petit peu. Alors, on peut parler aussi pour certains, peut-être, euh, on va dire, de défaite affective. Tout hein, à l'heure, on vous parlait, oui, pour les il y a peut-être une réussite. Bah, vous voyez, là derrière, on parle de défaite. C'est-à-dire donc... que, bon, bah, c'est peut-être bien parti pendant un moment, mais finalement, hein, c'est ce que je vous disais au départ, ça ne durera peut-être pas. Et ça, par manque peut-être de sincérité, de correction, d'attitude peut-être trop colérique ou violente ou. De mauvaises influences. Et on pourra peut-être aussi parler à certains de problèmes sexuels, alimentaires ou chirurgicaux. Bon, j'ai l'impression qu'ici, en fait, c'est comme si c'était bien monté, peut-être même un petit peu trop, et que là, bon, il y a quand même, on va dire, un côté un petit peu redescente. Parce que là, finalement, vous voyez, on vient vous parler d'indécision la carte du contrat à l'envers peut signifier différentes choses. Bon, on va commencer déjà par l'indécision. Qui bon est quand même assez clair hein. là ici euh, on va avoir clairement un choix à faire qui peut peut-être aussi entraîner on va dire un petit peu de stress euh, comme le sentiment des fois hein, d'être à la croisée des chemins ou de se dire ah, mais si je fais tel choix ça va changer toute ma vie etc ce qui est complètement compréhensible hein. mais c'est aussi quelque chose pour la peine qui vous rend un peu statique hein. c'est pareil lui finalement vous voyez là il est assis Là, elle, elle reste bloquée en, entre les, les deux panneaux. Panneaux avec des directions comme on en retrouve aussi sur la carte du voyage à l'envers. Il y a peut-être des choses, effectivement, pendant cette période qui vont euh, vous euh, rendre un petit peu perplexe. Vous aurez peut-être cette impression un petit peu de, de montagne russe ou d'ascenseur émotionnel. Maintenant, prenez bien conscience que tout ça, ça reste quand même paralysant et que. Plus vous resterez là-dedans, plus vous allez vous enliser également. Or, on vient vous dire justement de sortir un petit peu du mental, d'arrêter d'être tout le temps dans l'analyse, euh, vouloir comprendre si vous voulez presque à tout prix, hein, ou de douter aussi tout simplement de vous-même. Effectivement, prenez le temps de réfléchir aux possibilités là, qui vont s'offrir, on va dire, à vous. Mais au lieu de faire ce choix, avec le mental, on vous demande ici de le faire avec votre âme, avec votre cœur, en fonction de vos ressentis. Donc prenez le temps de voir ce qui véritablement vous fait vibrer. Hein ce que vous pensez qui vous apportera, on va dire, le mieux, le meilleur pour vous. Et l'affirmation avec cette carte est la suivante. Je chasse la peur et j'avance avec courage et confiance. J'ai le pouvoir de diriger mon propre destin, maintenant et toujours. Et maintenant, ici, avec la carte du contrat à l'envers, euh, on peut euh, indiquer, on va dire, la fin d'un contrat. Hein, ça peut être aussi par rapport à un lien existant. Ou ça peut être aussi, tout simplement, euh, le report d'un futur engagement. Hein, euh, même chose que pour le voyage, il y a peut-être des choses aussi qui se décalent à la cause de ça. Il y a peut-être aussi une déception. Hein, on parlait aussi d'affaires louches, hein, j'ai envie de dire, de point de vue professionnel, on va peut-être aussi découvrir certaines choses qui vont faire qu'on va remettre en question hein, finalement peut-être euh, cette envie d'association. Après ça peut être par rapport à la vente euh, d'une maison, d'un appartement, euh, à voir si ça tombe à l'eau réellement ou si c'est juste décalé. Maintenant vous savez aussi comme moi que quand quelque chose doit se faire, il sera, se hein, euh, dans le sens où... Euh, je vais pas dire que s'il y a un peu trop d'obstacles, n'est pas la peine de tenter euh, le truc mais, Normalement, quand vous êtes sur votre chemin ou que c'est la bonne personne, etc., ça ne doit pas être compliqué. Alors, je ne dis pas que c'est tout beau, tout rose tous les jours et qu'il n'y a pas d'effort à faire, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a déjà des choses qui vous titillent, etc., ou que vous suspectez, qui n'ont pas l'air clair, euh, machin, s'il commence à y avoir des retards, des reports, des trucs et des bidules, c'est peut-être pas pour rien. D'un hein. air de dire, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Et que peut-être pas la peine d'attendre de se faire avoir pour se prouver qu'on avait raison. Je ne suis pas en train de dire à tout le monde de faire tel choix ou tel choix parce que sinon ça va être la catastrophe. Il y a des cas ici qui sont différents. Il y en a peut-être effectivement pour qui il faudra peut-être plutôt arrêter certaines choses et d'autres, bon bah voilà, accepter que c'est juste décalé. Mais si ça laisse, ça sera pas sans raison, ça sera pour vous permettre aussi peut-être d'acquérir encore d'autres infos, de réfléchir à la manière de faire, à avoir peut-être d'autres angles de vue entre temps que sais-je. En tout cas, ce sera pour vous protéger, voire pour certains peut-être aussi pour vous permettre d'avoir quelque chose d'autre mais de mieux. Des fois, c'est aussi un peu trop d'impatience hein, qui peut créer comme ça un, du ralentissement. On va voir maintenant quelle carte vous avez eu avec le Tao. Ah bah tiens, voyez quand on parlait de limites. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel et maturité. Vous voyez, elle est quand même jolie. Pareil, hein, quand on parle du diable, on, on vient aussi parler quelque part ici de l'inconscient. Hein. C'est pour ça qu'on le voit ici, entre guillemets, dans une grotte. Maintenant, on n'arrête pas de vous parler aussi de respect de soi, la patience, là, hein, vous voyez entraînement à la patience même carrément Mais c'est marrant on vient vous parler aussi d'accumulation d'énergie un peu comme ce qu'on vous a dit déjà précédemment, c'est à dire pour vous renforcer, pour devenir plus mature, non pas que vous êtes complètement immature, hein, soyons clairs, c'est pas ce que je veux dire, mais de prendre avec le temps et de bonifier ça. Donc n'hésitez pas à méditer si besoin, à vous respecter, et je trouve que ce qui est chouette aussi ici, moi je vois un lotus, le lotus il naît de la boue, il naît dans les profondeurs, hein. Donc, je veux dire, à la base c'est pas très chouette hein, si vous préférez, mais au final il est clos et il arrive jusqu'à la surface pour donner vraiment une fleur absolument splendide. Le lotus c'est la transformation, la transmutation aussi, du lait en beau, du sombre en lumière. On vous invite à un peu plus de sagesse malgré tout. Alors c'est vrai que ça pourrait être en contradiction quelque part avec le diable qui vous invite à un peu plus de frivolité, on va dire. Maintenant, je pense que ce qui vous est proposé ici, c'est de trouver le juste milieu entre les deux. Et c'est pour ça qu'on vient reparler de limites, ainsi que d'autodiscipline. Le but est de vous faire du bien, pas du mal. Puis regardez ce qu'on a en fond de paquet, le cadre de bâton. Voyez, hop. Il est reparti en seuil, il prend connaissance, on va dire, de toutes ces différentes qualités ou des gens qui les ont et qui vont pouvoir l'aider pour pouvoir repartir vers de nouvelles aventures. Hein. Donc, vous voyez, là, il n'y a pas un nuage, l'eau est calme, donc les émotions aussi, il n'y a pas d'obstacle. Donc, voilà. C'est, euh, comme je vous l'ai dit, un petit peu comme euh, un petit test ou des, des piqûres de rappel qui vous sont faites. Je pense que vous. Pour que vous puissiez en fait euh, mieux entamer votre cycle. Alors c'est sûr que dit comme ça on pourrait dire bah oui bah, justement si je commence un cycle c'est pas pour moi récupérer ce qu'il y avait avant etc. Mais c'est normal que quand on commence on finit par épurer entre guillemets ce qui reste un petit peu d'où les situations des fois qu'on nous apporte justement pour en prendre conscience et puis pour pouvoir réellement derrière faire autrement que ce qu'on a fait auparavant histoire que ça se répète pas encore une fois si vous voulez d'intégrer les leçons qui ont été prises justement avec tout ce qui a pu se passer là déjà avant et se permettre véritablement le meilleur. On va voir maintenant quelle carte vous avez eu avec l'oracle des archanges. Et là, vous avez eu l'archange Raphaël qui accessoirement est également l'archange de la guérison, relié au chakra du cœur, de l'abondance. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Bon, ben bah on y est les enfants, hein Alors la respiration, euh, déjà quand on prend des grandes inspirations, c'est bon pour son corps, ça permet aussi de le détoxifier, de se mettre dans un autre état de conscience, de s'apaiser, aussi des fois quand les émotions sont un petit peu trop vives. Mais là, vous voyez, quand on vous disait qu'il faut en finir véritablement avec les mauvaises habitudes, ben, on est en plein dedans. Hein. Le but, c'est vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc, vous pouvez vous amuser aussi à faire un travail de visualisation hein, où vous inspirez de nouvelles énergies, des énergies de guérison. Vous pouvez euh, inspirer du verre, hein, par exemple, et puis à l'expiration, expirer vos vieilles habitudes. Alors, je vous dirais quand même que plutôt que de rebalancer comme ça, on va dire dans l'univers des énergies négatives et toxiques, vous pouvez demander à ce qu'elles soient transmutées en amour et en lumière avant d'être rebalancées comme ça. Hein et puis, je vous disais que c'est l'ange de la guérison. Si justement il y a des problèmes de dépendance et autres, vous pouvez faire appel à lui justement pour vous y aider. N'hésitez pas aussi à sortir pour aller respirer un petit peu de l'air frais ou à bien aérer chez vous aussi vous pouvez aussi purifier un petit peu votre air parce que honnêtement il y a quand même pas mal de blanc donc je pense qu'il y a aussi euh, des énergies à purifier ça pourrait aider. Vous pouvez aussi euh, utiliser l'eau hein, d'ailleurs pour vous nettoyer etc hein, j'en ai parlé euh, dans dans les énergies là de, de la dernière lunaison ou tout simplement d'ailleurs utiliser euh, la douche ou le bas magique hein, quoi, à chaque fois que vous baignez vous... Euh, vous imaginez ou vous demandez à ce que c'est eau vous nettoie de toutes vos mauvaises pensées, etc. Voilà. Donc vous avez quand même un bon archange ici. Et maintenant, avec les anges de l'amour, vous avez eu attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Je ne sais plus c'est quel euh, signe qu'il a eu aussi. Mais voilà. Moi, je trouve honnêtement que euh, ça revient un petit peu avec ce que je vous ai dit. Hein. Sur le fait de quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, bon, ça ne veut pas dire qu'il faut catégoriser ou juger tout le monde à l'emporte-pièce pour autant. Maintenant, sachez garder les yeux ouverts. Que ce soit par rapport à, à une nouvelle rencontre ou à une relation existante, il y a des choses que vous avez déjà pu percevoir. Et si c'est n'est pas le cas, a priori, on va vous en rembalancer hein, des sacronicités et des trucs à regarder. Des choses qui peuvent avoir l'air malsaines ou qui peuvent peut-être vous gêner. Et ici, on vient vous demander vraiment de faire attention à vos ressentis, à pas faire semblant de pas les voir ni de les prendre en compte. Maintenant, ça ne veut pas dire, comme je l'ai dit, que vous avez en face de vous forcément une personne monstrueuse ou avec qui ça se passera mal, etc. Maintenant, je pense que ces petits drapeaux, ils viendront pour que vous vous respectiez, pour vous vous permettre justement d'avoir quelque chose de plus sain. On vient vous dire de ne pas laisser vos émotions, hein, vous empêcher de voir les détails et les habitudes qui ne vous conviennent plus dans une situation, ou d'entrer si vous préférez. Et c'est pas forcément que c'est la fin d'une situation, hein, mais ça peut être juste pour euh, énoncer ici qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui tourne pas rond, qu'il y a peut-être, comme on l'a dit, du manque de respect, de la malhonnêteté, euh, des dépendances aux drogues, des flirts peut-être aussi avec d'autres personnes ou un certain manque d'intégrité qui sont là. Et que c'est, comme je vous l'ai dit, à prendre en compte. Pour justement ne pas avoir à le subir ou à le faire subir, hein, on verrait bien aussi où vous êtes là-dedans, mais refaire en sorte à recadrer, si vous voulez, un petit peu les choses, si besoin, pour que vous puissiez vous sentir bien, vous sentir mieux, que ce soit respectueux pour les deux parties, si vous voulez. Ça veut peut-être juste vouloir dire à certains qu'il y a une discussion à avoir pour remettre tout simplement voilà, les choses en place et. Est Ce qu'on vous conseille aussi, d'ailleurs, certains, hein, coeur à conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est pareil hein, dans la communication. On n'est pas obligé de le faire de manière violente ou une fois qu'on est bien à bout, hein, sous le coup des émotions, on peut être dans la communication non violente et dire bah voilà, quand tu fais ça, bah moi, ça me fait ça à moi, plutôt que d'être dans le reproche, la critique, etc. Voyez Après, si vous êtes célibataire, ça peut être aussi tout simplement vis-à-vis -vis de soi-même, hein, puisque on vous le demandait déjà tout à l'heure, hein, d'être honnête par rapport à vous-même. Alors maintenant, avec la partie lito pour le mois d'octobre, vous avez eu mon œil de fer. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir les différentes couleurs. Ouais. En fait, c'est une pierre, si vous voulez, c'est un mélange grossièrement euh, d'œil de tigre, d'hématite et de jaspe. Donc ça aussi... Les vertus de ces trois pierres. C'est une pierre qui peut être pas mal par rapport à la créativité, mais comme l'œil de tigre, c'est une pierre de protection. Pour aller regarder aussi, si vous le voulez, les vertus de chacune de ces pierres. Maintenant, pour celle-ci, c'est une pierre qui est généralement utilisée par les sportifs qui ont à fournir vraiment des efforts intenses. Si vous voulez, c'est une pierre qui aide à développer l'endurance. Qui facilite également l'oxygénation du sang, hein, comme la respiration aussi. D'ailleurs, au passage, c'est une pierre qui peut donner un moral d'acier, qui peut vraiment aider à supporter des changements non désirés. J'ai presque envie de dire difficile aussi, hein, parce que c'est une pierre qui va bien aux gens qui bah, sentent pas bien, sont fatigués, sont peut-être tristes ou déprimés un petit peu, hein, par exemple. Elle peut permettre de développer son sens de l'autocritique, mais ça de manière constructif et de regarder également ses peurs en face et elle peut aider également à être davantage dans le discernement et la tolérance vis-à-vis -vis de soi comme des autres et puis pour le mois de novembre vous avez eu mon cristal de roche en forme de saut de Salomon, qui est en 3D de Nibar Kaba. Alors je, je souris parce que j'ai fait justement une méditation ce matin avec le saut de Salomon. On est dans la guérison, hein, on reste toujours ici avec euh, l'archange Raphaël et le cristal de roche. C'est une pierre qu'on utilise souvent pour euh, jouer le rôle d'ampli hein, avec d'autres pierres. Mais c'est une pierre aussi justement de guérison. Elle hein, aide à la transformation des énergies à l'intérieur de nous à stabiliser et à harmoniser aussi notre corps éthérique et à augmenter notre taux vibratoire. Elle peut apporter beaucoup d'imagination, de clairvoyance. Elle aide notamment aussi à développer justement les facultés comme le clair ressenti, etc. Et le sceau de Salomon, qui est un talisman de protection aussi, est un symbole à géométrie sacrée qui aide à la guérison, à un meilleur équilibre, à une réharmonisation. Mais également à la réalisation de ses voeux. Voilà. On va voir maintenant ici euh, quelle fleur de bac pourrait vous aider émotionnellement euh, pour ces mois d'octobre et de novembre. Alors. Et Octobre. Ah, non. J'ai hésité. Et novembre. Bon, novembre. Voilà. Alors, octobre, on a quoi ici Étoile de Bethléem. Star of Bethléem, paix et réconfort. Alors, un beau bleu, du blanc encore à nouveau. Hein. Et cette fleur, elle peut être utilisée pour aider à faire des deuils. Alors, les deuils, ce n'est pas forcément de personnes physiques, hein, même si forcément ça peut être le cas. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on tourne une page, qu'on décide... D'entamer euh, un nouveau chemin, c'est donc qu'on met le passé aussi en arrière-plan, hein, qu'on passe à autre chose, donc ça peut être voilà, le deuil entre guillemets de son ancienne vie ou d'un ancien mode de fonctionnement, etc. Donc c'est une fleur qui peut apporter du réconfort, de la consolation, de la douceur, de la paix et de la tranquillité. Elle aide à la cicatrisation et à la réparation du cœur hein, en libérant de chagrin, de chocs, de traumas. Elle aide à lutter contre les états de détresse, de tristesse, mais également de bouleversement. Donc, elle pourra faire du bien hein, si jamais il y en a certains comme ça qui euh, auraient envie un peu de baisser les bras ou manquer un petit peu de, de foi ou de courage. Et puis, pour le mois de novembre, vous avez Bruyère, Iseur, Altruisme et Écoute, avec le violet de la transmutation. Alors là, avec Iseur, on, on vient vous amener. La notion d'altruisme, d'ouverture, d'écoute de l'autre, mais dans le cadre d'un véritable échange. Elle peut apporter aussi à certains davantage, on va dire, de capacité à bien vivre aussi sa solitude. Et elle permet de lutter contre l'égocentrisme ou les difficultés, peut-être aussi, à communiquer. Effectivement, hein, il y a un moment ici, vous voyez, ils sont quand même, on va dire, dans cet échange. Donc, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il ne doit pas juste y en avoir un qui parle et l'autre qui écoute. Même si vous avez et vous êtes fortement invité à vous exprimer, à savoir aussi écouter ce que l'autre a à vous dire également. Voilà. Après, vous verrez si vous faites des compromis ou pas. Hein. Comme d'habitude, vous êtes libre. Et bien, écoutez, moi, je pense avoir fait le tour de votre guidon. Hein. J'espère que ces messages vous aideront au mieux, vous apporteront. Euh, que votre automne se passera au mieux également. Prenez tous bien soin de vous. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout, de votre fidélité pour vos commentaires, vos likes et vos retours. Et puis je vous dis à bientôt, les Capricornes. Namasté!